Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne, donc Blog de la Carpe TV. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc première vidéo de l'année pour moi et j'ai décidé de commencer simplement avec deux petits tutoriels. Donc on va parler montage aujourd'hui, deux tutoriels de montage simples. Vous allez le voir, très facile à réaliser, mais cependant lorsqu'ils sont bien réalisés, ils sont ultra efficaces. Le premier que je voulais vous présenter est donc un montage qu'on pourrait nommer de classique. Il est ultra simple mais très efficace. On a donc un émerillon taille 8, hein, la taille classique, une petite gaine qui va servir d'anti-emmêleur lorsqu'on fera notamment des lancers assez appuyés. Donc là en fait c'est de la gaine thermorétractable. Ensuite on a une tresse, donc c'est une tresse 8 brins en 25 livres. Cette tresse, je vais bien l'utiliser lorsque je pêche avec des hameçons numéro taille 4 comme celui-ci. Lorsque j'utilise par exemple des hameçons taille 6 ou 8, je vais plus partir sur de la 15 livres par exemple, ou une tresse de 35 livres quand je pêche avec des hameçons de 2. Vous voyez, ici également un petit bout de gaine thermo, donc on retrouve exactement la même que ici. Et on va faire un angle en fait, ce qui va favoriser la piqûre de l'hameçon dans la bouche de la carpe. Vous voyez, donc ultra simple mais extrêmement efficace. Le deuxième montage que je voulais vous présenter est donc celui-ci, donc est très très simple également. Donc on retrouve l'émerillon, le bout de gaine thermorétractable, la tresse 8 brins, la même que celle je viens de vous présenter. La seule différence ici, ça va être au niveau de l'hameçon. On va donc utiliser ici un hameçon avec une large ouverture. Pourquoi ? Tout simplement, ça va permettre en fait de pêcher avec des éches équilibrées, donc bouillettes, dumbbells ou autres, même des graines hein, qu'on peut facilement équilibrer. Et ce montage, il est parfaitement adapté à ce type d'èche. Donc lorsque la carpe va engamer notre appât, l'hameçon va monter très vite. Et du fait qu'on a une large ouverture, va se piquer très facilement dans la bouche de la carpe. Donc celui-ci, voilà. On a un montage ici qui est spécifiquement créé pour des appâts équilibrés. Et voilà, donc c'est parti pour les deux petits tutoriels que je vous montre tout de suite en vidéo.